Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, pour ma part, ça va nickel. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, là on se retrouve pour la partie 5 de Far Cry 6. Donc, si vous avez pris votre café, votre petite bière ou autre, on est go. Okidoki. Juste pour info, vous ne verrez pas ma tête exceptionnellement aujourd'hui parce que j'ai un petit souci avec ma caméra. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Donc, voilà. Même si vous vous en foutez, allez, c'est parti. Ok, du coup, maintenant, il faut qu'on aille retrouver de l'essence pour Benito et ses pêcheurs. Donc, allons-y, hein. Allons-y. Ah, à ce niveau-là, je me rappelle, j'avais écrasé un piéton sans aucune pitié. Bon, pour ma défense, il avait rebondi. Pour ma défense, c'est pas de ma faute si les persos rebondissent dans les jeux vidéo, hein. Ok, d'accord. Et je suis coincé. Et vous savez quoi? On va faire le reste à pied, d'accord? Parce que là, ça va pas, là, ça va pas du tout, hein? Oh, des crabes! D'accord. Je crois que je suis le seul mec sur Terre capable de rater un crabe. Je pense. What the fuck, c'était quoi ça? Oh, un sanglier. T'es où toi? Je joue pas à cache-cache, je t'avoir. Ah, ils sont deux ces enfoirés en plus. Hein. Ils sont deux là. Ah, il est tout seul. Ok, vas-y, viens par là. Toi. Ah non, il y en a deux. Autant pour moi. On va y aller à la machette. Oui, la machette. Alors là, je suis vraiment hors sujet, là. Enfin, je pars en couille, là. J'avoue que je pars en couille, donc... Vous savez quoi? Je vais me mettre... Ah, d'accord, non, je suis mort, en fait, là. Non, je suis mort. Non, il y en a encore d'autres. Ok, d'accord. Là, je suis dans la merde. Ah, quand même. Je sais, je suis pas gentil. Je tue les jaguars. Oh, pauvre petit chou. Oh. Allez. Le truc, c'est qu'en fait, on a absolument rien. On n'a aucun moyen de transport, en fait. Quand tu débutes dans un jeu, quand tu débutes, t'es obligé de faire tout à pied. Les moyens de transport par téléportation, tu peux te le fourrer à où, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Je dois aller ici. Et je suis très très loin de la zone, hein. Vraiment. Je suis vraiment à 100 km du point de mission. À peu près. La joie de faire de la marche à pied quand tu commences. Hein. On va explorer un peu quand même, on va regarder, on va observer quand même, moi. Essayer de profiter un peu de la vue, là, parce que je cours, mais je vous fais pas profiter un peu. Je vous fais pas profiter un peu du paysage au passage, hein, parce que de rien, c'est un beau paysage. Non, on peut pas dire le contraire. Hein. C'est clair que non.
Ok, donc là faut que je monte là-haut. Tac. Non. Voilà. Tac. Non mais faut que je me trouve un véhicule là parce que je suis dans la merde là. Quitte à prendre un cheval, ce serait déjà ça. Mais ah mais attends, mais je suis con moi. Bon. Désolé, désolé, désolé. Ça fait un bail que j'ai pas joué au jeu, je vous avoue. Il y a un petit temps de latence, hein. Tu seras au Il y siège, a un hein? petit temps de Je t'appelle comme latence. ça. Gracias. D'accord. Buena. Ok. Donc, on va aller au point de mission. Ah ouais d'accord, ah ces enfoirés ils m'ont mis des... Ah ouais d'accord, ok. Je suis rentré dans une base, tu m'étonnes que je me fais tirer dessus. Le mec il rentre dans une base comme ça, tranquille, aisé, c'est la belle vie. Tu m'étonnes que je me fais bombarder, c'était obligé. Bon, je vais devoir faire des... Je vais faire du kill sur le passage, hein. J'ai pas trop le choix. Je dois faire du kill. Attends, ils sont durs à tuer. Hein. Donne-moi ton tracteur, s'il te plaît. Vas-y, donne-moi ton tracteur, s'il te plaît. Vous savez quoi? On va pas s'attarder sur eux là. On va y aller parce que. Essaye de la garder en un seul morceau, ok? T'es au courant, depuis tout à l'heure, tu répètes la même chose. Enfin, pratiquement tout le temps la même chose. Voilà le fameux dépôt de carburant. Je ferai ce que je peux, Clara. On va essayer de pas trop se faire remarquer hein, pour cette mission. Parce que Clara, là, je me suis assez bien fait remarquer comme ça. Libertad a besoin de ce carburant. Il va falloir que tu neutralises les soldats, mais aussi que tu sécurises l'essence. Il faut que tu la joues finement, Danny. Trouve un endroit en hauteur et utilise ton téléphone pour repérer les caméras et les alarmes. Ouais, j'ai compris. Ah ouais, là-bas. Faut que je passe de l'autre côté. Tac. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, on est pas mal là, hein? Je crois qu'on est pas mal là. Donc, ok. Lui vulnérable, tête creuse, balle tête creuse. Balle tête creuse. Faut que j'élimine dehors le snipe. Hein. Comme ça, je suis tranquille. Médecin, pareil. Il va falloir que je l'élimine en premier. Parce que c'est eux qui me posaient le plus de problèmes, vous voyez. Donc, le médecin. Balle tête creuse. Ok. Le snipe. Balle perforante, j'imagine? Non. Balle tête creuse. Allez, on va y aller à la balle tête creuse. On va y aller au snipe. J'ai un silencieux dessus. Je sais plus si j'ai un silencieux sur le snipe. J'ai pas de silencieux sur le snipe, donc on va pas trop faire le fou. Tête creuse. On s'installe une belle tête creuse là. Mais je suis trop loin, je crois. Je vais quand même le tenter. Yes. Je l'ai bon. Le médecin, faut que j'attende qu'il soit à découvert. Et boum. Pleine tête. Et le problème, c'est que cet enfoiré là, il veut pas se mettre à découvert. Yes. Médecin éliminé. Lui, c'est quoi ça? Balle tête creuse pour lui.
paraît terminé pour lui. Il me paraît un peu loin, lui. Je vais pas l'avoir, je crois. Yes, j'ai eu chaud. Un peu plus et c'était fini. Lui. Je crois que j'en avais un plus près. Ouais, faut que je m'occupe de cela. Ce sera peut-être plus simple parce que sinon, ça va être chaud. Faut que j'essaie de les isoler. Fini pour lui. Pareil pour lui. Pareil pour lui. Je crois que j'avais une alarme pas loin. Ils arrivent, je me grouille. Il y avait une alarme dans le coin. Faut que j'explose l'alarme. Non, ils ont pas l'alarme. Ouais, je me grouille parce que là, ils sont en train de se pointer. Ok, non, maintenant c'est bon, là, je pourrais descendre. On va descendre. Tac. On a éliminé le plus gros. C'est déjà ça. Vas-y, viens, viens, viens. Qu'est-ce que je suis nul ? Voilà. C'est terminé pour le dépôt de carburant. C'est validé. On a capturé le dépôt de carburant. Après le dépôt de carburant, il y avait une base. Une base de FND à prendre, je crois. Dans mes souvenirs. Ok. Ok, Benito. Rosario est morte. Et il y a de nouveau du carburant. Oh bah merde. J'avoue que j'avais des doutes sur Clara, mais j'ai jamais douté de toi. J'ai appris quelques trucs pour me débrouiller sans l'aide de personne. Je vais acheter du matos un peu, hein, pour être un peu mieux. Je me dirige. Alors déjà, je vais voir, déjà en termes de matos, ce que je peux améliorer là. Hein, ce serait quand même une bonne base. Ça serait quand même mieux d'avoir un bon équipement. Hop, on va voir déjà ce que je peux améliorer dans les armes principales. Je vais mettre un petit silencieux là-dessus parce que lui, je pense que je vais vite en avoir besoin. Donc on va se caler un bon petit silencieux dessus, hein, déjà, hein, parce que c'est toujours mieux. Non. Ok, donc ça c'est bon. De toute façon, je peux pas faire autre chose. Hein. Après, voilà, je suis extrêmement limité. Là, je peux que dalle rien faire. Ok, on va y aller comme ça. Prochaine mission, on va y aller comme ça. Tant pis, hein. Tant pis. Oui, toi. Vas-y, dis-moi ce que t'as à dire là. On a trouvé un site sacré dédié à la Triada. Il contient un trésor protégé par les esprits. Okay. Rien à voir à faire là-dedans, mais je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Ok, la grotte des Halloas. On verra ça plus tard. Est-ce que j'ai des attaches par là? Je peux trouver des attaches. Tant pis, on va retourner au camp. Mais attends, mais je peux me téléporter maintenant là. Ça y est, c'est le début. Attends, tu veux qu'on bousille la flotte d'Anton? On est des pêcheurs, je te rappelle. Alors reprends ta vie de merde, l'ami. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Essaie, c'est cool. C'est quoi le plan au juste? Qu'Anton nous repère depuis la capitale? Oui. Ben, ça fonctionne. Vous avez 20 minutes avant que l'armée débarque ici. Vous feriez mieux de bouger. Courez! J'ai dit, courez! Règle de la guérilla, Juan Cortés. La révolution n'est pas gagnée par ceux qui ne craignent rien. Mais par ceux qui sont craints.
Et que craint Anton Castillo? Élections libres, expression libre, paria libre, un pays libéré des Castillo. Mais il n'aura jamais peur si vous n'êtes pas prêt à mourir pour la liberté aujourd'hui. Pas quand on n'aura plus d'armes ni de troupes, aujourd'hui. Car aujourd'hui, je vais faire un grand ménage dans la flotte de l'oppresseur, compris? Je ne suis pas sans crainte. Je suis terrifiée. Mais je vous promets une chose. Je serai crainte. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. On rentre, camarade. Viva Libertad. Elle sait ce qu'elle fait, au moins. J'espère bien. On s'en fout, Danny. Elle sait ce qu'il nous faut. Rendez-vous dans les airs, camarade. Ok, c'était chaud. Ah, c'était fort en émotion. Ah, ça, c'est le cas de le dire. On peut pas dire l'inverse. Ah ouais, c'était très fort en émotion. Ah oui. Oui, c'est bon ça. À partir de là, on va avoir plein de petites missions à faire. Donc, capturer des postes de contrôle, détruire les canons anti-aériens. Tout un tas de choses, en fait, à valider pour pouvoir récupérer, au fur et à mesure du temps, l'île. Et au maximum du maximum. Et là, à partir de maintenant, on est libre, on fait ce qu'on veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà prendre un point de contrôle qui se situe juste là, déjà. Et là, c'est libre à vous. Hélico est paré au décollage? Affirmatif, mais il y a un canon anti-aérien qui bloque le ciel autour des navires de guerre de Castillo. Ça marche, Juan. Je m'en occupe. Merci. Bon, il y a toujours Juan hein, qui t'épaule, mais c'est libre à vous. Hein, Juan avec sa gentillesse et son respect loyal, ça c'est du bonhomme. Pas dire le contraire. Hein. Alors première capture de point de contrôle hein, dans cette partie, parce que je vous le rappelle, pour info, j'ai déjà terminé le jeu. Hein, je trouve ça assez important de vous le rappeler. J'ai fini le jeu. Comme ça, s'il y a certaines choses où je me croûte totalement ou je merde, vous pourrez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il a fini le jeu mais il merde. On n'est pas parfait. Soyez indulgents. Ok, je récupère un véhicule parce que sinon, dans 10 ans, je vais encore y être. Je vais choper un véhicule. Qu'est-ce qui va me sortir encore? Voilà, c'est bien, maintenant on sort. Voilà. Voilà ton véhicule. Voilà. Et pour l'arrière, voilà. J'y suis pour rien. Ouais. Bah c'est bien. Salut, merci. Salut. Hop. Attention à la peinture! Et toi, tu veux te détendre, hein? Parce que là, on va se calmer, hein. Oh, niveau 2. Je suis un peu trop près. Ouah, j'ai chaud, là. On va essayer d'être un peu moins, comment dire... Poste de contrôle. Faut mieux faire. Ouais, c'était le jeu un peu plus discret, parce que là, c'était... Ah, c'était chaud, là. J'ai failli me faire... me repérer comme jamais. Ok, on va monter sur le point là-haut, là. Sur la zone. Danny, je voulais te dire quelque chose. C'était énorme, ton discours. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais te remercier. Ne pleure pas maintenant. Pour tout ce que tu as fait pour Libertad et pour moi. Tu me remercieras quand on aura enfoncé le blocus de Castillo. On se reverra de l'autre côté, Danny. Ok, est-ce que je peux péter l'arme? Besoin de soldats en plus ici. Yes. Plus d'alarme, ça c'est bon. Ok, balle perforante pour lui. Balle tête creuse pour lui. Creuse pour lui. Ok. Creuse perforante en haut. Ok. Creuse et perforante. On va commencer par la perforante. Tac, tac.
te loupe pas. Creuse. J'espère qu'il m'a pas vu. Comment il a pu me repérer lui? Comment c'est pas possible? Creuse pour toi. Tu vas mourir, oui. Eh, mais laisse tomber ton alarme, hein. Tu peux laisser tomber ton alarme, hein. C'est fini. Un camion. Voilà, ok. Putain, j'ai merdé, hein. Quel crétin. Ça va, j'ai compris. Je m'en charge. Ça, c'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Parfait. Ok, donc lui, il veut pas me voir. Donc on va cramer ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant tu vas finir de cramer toi, parce que sinon ça va pas le faire. Yes. Donc panneau pété. Ok, on a une base de prise encore, enfin, un point de contrôle de choper. Premier point de contrôle de choper. On va pouvoir récupérer des... récupérer du matos, là, hein. Parce que là, on a du matos, hein. Là, on va pouvoir se remplir les poches. Ok. Il y a ça. C'est qui, ça? Dans la gueule du gars, quoi. Quelle gueule. de la poudre de perlimpinpin. Munitions, ok. J'avais ce qu'il fallait en munitions. Là, faut pas trop non plus se blinder pour rien. Ça sert à rien. Ok. Donc là, il y a un. Ah. Oh. Petite clé. Attends, mais il y a un coffre? Non. Il y a un coffre? Attends, il y a un coffre de gâché, je suis sûr. Il y a un coffre de gâché. Il y a un coffre. Ah non, même pas. C'est nul, ça. C'est nul. Ok. Et si ça vous intéresse, je fais un truc, je vais me exploser le canon anti-aérien, tiens. Hop. Et Et malheureusement, bah, après ça, on va s'arrêter là, hein, parce que... Il faut en garder. Il faut que j'en garde. Et un truc que je veux, c'est que cette série dure le plus longtemps possible. Ok, là, je suis arrivé comme un gros bourrin, là. Aucun respect. J'aurais pas dû. Mais je vais essayer de viser... le canon anti-aérien ici. Mais non. Là, je suis mort, là. Là, en fait, je suis arrivé comme un gros porc, là. J'arrive comme un gros porc. Non. Ok, je me suis complètement craqué. On se joue Call of Duty là maintenant, c'est parti. Ah, c'est aussi bien de savoir utiliser un peu tous les modes un peu. Mode furtif, faut savoir si la jouer furtif. Et bourrin à la fois. On va mettre le feu. Je vais te cramer, mon gars. Ok. On va balancer de la grenade maintenant. On va jouer de la grenade. Couteau de lancer. Non, molotov. On va jouer de la molotov. Dans ta face! Pleine tête, headshot. Ça, c'est un magnifique headshot. Vas-y. Montre-toi, ma petite. Elle est cachée derrière, là. On va monter, elle est en haut.
Voilà. Allez, salut. Hasta la bistou. Hein? Ok, du coup, on va aller là-haut. On va exploser ce canon. Hein? Parce qu'il est pas canon. Ouais, c'était de la merde, je sais. Et on peut pas tout faire. On peut pas être humoriste et gamer à la fois. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, il y en a qui arrivent à le faire, mais... Dans mon cas, non. Ok, donc on va devoir cramer ça, là. Yes. Allez, niveau 3. Ça, c'est fait. On va récupérer du matériel au passage. Hey Juan, plus de canons anti-aériens. Le ciel est à toi. Maintenant, fonce vers les navires. Et Juan sera ton ange gardien de la mort. Tout ce que tu veux, du moment que tu protèges mes arrières. Ha ! T'en fais pas, mon cigare et mes 12 000 cartouches de colère divine sont là pour toi. Vamos ! Quel fou ce Ron, quel fou. C'est un ch'tarvé de la vie. Bon, et ce petit ch'tarvé, on va se retrouver pour la partie 6, hein, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je n'oublierai pas cette série Far Cry 6, c'est pas possible que je l'oublie, j'arrête pas d'y penser, tous les jours j'y pense, mais non je déconne, j'y pense pas non plus tous les jours, c'est juste que j'ai tellement de choses à faire sur cette chaîne, tellement de thèmes différents, bref, dans tous les cas, je n'oublie pas la série Far Cry, et on continuera dessus la prochaine fois. Sinon moi, vous savez quoi, j'ai pris un bon plaisir. J'espère que vous avez pris plaisir aussi à regarder ce gameplay. Je vous souhaite une bonne soirée à tous parce que à cette heure-ci, il est 23h exactement. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à tapoter ou cliquer sur ma tête juste en bas. Sur ce, c'était Mr. MixV. Big Char.